Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet qui peut vous valoir un permban, la vente de compte. L'annonce officielle de Lilith sur le store officiel en Chine a retenti sur tous les discords officieux de vente de compte. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les tips, les leaks, les tutos, bref, tout est sur le Discord. Les amis, on dirait une vidéo sponsorisée par Julien Courbet en parlant d'arnaque sur la vente de compte, l'annonce du store officiel sur les serveurs chinois et la possibilité que ça arrive un jour en Europe a eu évidemment des conséquences sur les stores officieux qui vendent des comptes. Je vous le rappelle, acheter un compte ou vendre un compte ROC est totalement illégal et peut vous valoir un permban tant du compte acheté que d'autres comptes qui auraient servi à transférer des ressources ou faire la type d'opération. Et puis surtout, vous pouvez vous faire arnaquer avec des man in the middle, des intermédiaires qui vous prendraient votre argent et ne vous donneraient jamais le compte pour éviter ce genre de situation. Donc, il y a des plateformes plutôt réputées qui sont évidemment officieuses, qui vont servir de tiers de confiance, qui vont vous prendre un petit fee. Donc, c'est un intermédiaire, mais via des plateformes plus ou moins garanti, et il existe un Discord très connu pour ça, et c'est ce qu'on va aller voir, on va en parler, puisqu'il parle aussi sur ce Discord de l'arrivée du store officiel, évidemment avec des infos à prendre avec des pincettes, et on va voir le cours que vous pouvez obtenir pour combien sur ROC. Je vous le rappelle, c'est totalement illégal, acheter un compte peut vous valoir un ban permanent sans autre forme de procès. Lilith est très sévère avec ça. Plus ou moins, ça va dépendre du type de spender que vous allez être. Regardons tout de suite. Donc, on se retrouve d'abord sur les petites arnaques qui existent puisqu'ils en parlent. Ils avaient mis il y a quelques temps un message important sur ce Discord. Déjà, vous le voyez, c'est très bien fait. Il y a la partie, bah, d'un autre côté, je ne vais pas vous dire que c'est éclaté. Il y a la partie chat, il y a la partie, vous avez toutes les parties, vous savez le prix du compte, vous avez vraiment le détail de toutes les infos que vous avez besoin. Bref, c'est très facile d'y s'y retrouver, c'est normal, plus c'est facile, plus vous allez acheter facilement. Sur ce Discord, donc, ils vous disent attention, il y a l'arrivée de scammers, par exemple. Il y a deux gros comptes qui vendent beaucoup sur ce Discord, qui sont des intermédiaires, qui sont Kédé et Omar. Et il y a des comptes de scammers qui ont été créés pour arnaquer les joueurs. Ils reprennent les mêmes noms de comptes, ils reprennent les mêmes symboles et ils essayent de vous vendre des comptes qu'ils ne possèdent pas, tout simplement pour prendre votre argent. Et donc, ils vous avertissent. Donc, ils sont prévoyants. Ils ne veulent pas casser leur business. Ils le protègent. Ils vous avertissent de faire attention et de bien vérifier que le compte qu'ils essayent de vous vendre est un compte officiel, du moins officiel, du Discord. Et ils leur disent, faites bien attention. Il y a plein d'arnaques, blablabla. Et regardez, ils vont revenir un petit peu plus bas. Évidemment, c'est plus récent. Sur l'annonce officielle. Ils en ont parlé le 1er mars. Donc, c'est tout récent. Sur l'annonce officielle. Attention. Tous les messages qui contiennent des informations à propos de l'ouverture d'un store officiel par Lilith, sous-entendu de vente de compte, sont fausses. Si Lilith voulait faire ça dans le futur, et ils disent que les chances sont proches de zéro, sont de zéro même, tous les joueurs recevraient un message de la part de Lilith in-game et qu'ils le mettraient aussi dans un update. Donc, faut vraiment faire attention, c'est ce qu'ils disent. Les vrais vendeurs, les seuls vrais vendeurs sont Omar-Rock et Kédé, qui sont évidemment sur le Discord, les fondateurs de ce Discord. Alors là, en revanche, vraiment, c'est du fake pour le coup, puisque l'annonce du store officiel en Chine est réelle. Donc, il doit y avoir des arnaqueurs, évidemment, qui font croire qu'il se passe d'autres choses et qu'il y a d'autres stores qui sont ouverts. Et là, c'est du fake. Mais en Chine, c'est un vrai message que je vous ai parlé. Et l'ouverture d'un store est vraiment dans les tuyaux. On en reparlera quand ça va avoir avancé. Et c'est sûr que Lilith n'en parlerait pas en Europe, parce que c'est pas à l'ordre du jour. On va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir pour combien et on comparera, vous verrez, dès qu'on aura un store officiel de Lilith en Chine, on comparera les prix sur les comptes chinois qui peuvent être vendus.
qu'est-ce qu'on a pour 250 à 500 balles sur Rock? Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo hein, que j'ai faite sur les ventes de comptes, hein, c'est extrêmement détaillé. Vous allez le voir. Hein. Par exemple, on peut avoir. On a des screens déjà qui nous montrent le détail du compte. Parfois, il est très facile de savoir de quel compte il s'agit. C'est évidemment toujours les intermédiaires. Il faut savoir que Kédé, par exemple, revendique avoir déjà gagné 50 000 dollars en faisant l'intermédiaire de compte. Oui, c'est un business très lucratif et surtout c'est un business net d'impôts. Hein. Tout se passe en sous-main. Ça se trouve, il l'a déclaré, hein, mais c'est probable que non. Il montre le compte et il explique hein, sur ce compte-là. On a donc le code DAM. Il donne toujours un code pour qu'on trouve le bon compte. Hein. 13 légendaires maxés. Sur les 13 légendaires, regardez. Hein. C'est quand même très très clean. Regardez le stuff sur le Nevsky. Franchement, il fait plaisir. Est-ce que j'ai ce stuff-là? Oh, je pense que mon stuff est mieux sur mon Nevsky. Le stuff sur le Guan, même sur le Guan, hein, c'est du lourd. Le stuff sur le Xianyu, pareil, il manque que les bijoux. Bon, Zugliang, il est un petit peu éclaté, mais c'est pas mal du tout. Franchement, les 13 légendaires, 1, 2, 3, 4, 5, 8, non, 8, 6, 9, 10, 11, 12. On n'en voit que 12 là. Mais c'est pas des légendaires de ouf, hein, faut bien le reconnaître. Excepté Nevsky, Zugliang. Allez, Nevsky, Zugliang et Boadice. Les autres, c'est un petit peu pas ouf du tout. D'ailleurs, il y a deux fois Zugliang, donc on n'a pas tous les commandants. Donc 13 légendaires maxés, les autres très bien développés. 24 l'équipement légendaire, 2, 7 full légendaire. On le voit, c'est sur Guan et sur Nevsky. On a un bon stock de ressources et de speed-up. Est-ce qu'on peut avoir le détail du nombre de ressources? Non, on n'a pas le détail. On a quoi en stats? On a 2 milliards de kill points. Hein. C'est pas mal du tout hein, en termes de nombre de puissance. On ne sait pas la puissance. On a 3 millions en puissance de troupes. Ah, il n'y a pas beaucoup de troupes. Hein. Pas beaucoup de T5 du tout. La puissance ne doit pas être très élevée sur ce compte-là. En stock de gemmes, c'est pas ouf. En stock, ah, 58 millions de puissance. Voilà, VIP 16 seulement. Il n'y a pas beaucoup de ressources, mais il y en a beaucoup. Enfin, sur le compte directement, mais il y en a beaucoup en items. Regarde, en termes de speed up, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est beaucoup? Non, en termes de speed up, c'est pas beaucoup non plus. Hein. Il s'enflamme un petit peu en disant qu'il y a un bon stock. Les stocks sont pas énormissimes. C'est pour ça qu'il est entre 250 et 500 dollars. Un Legendary Skin, c'est lequel qu'il a en skin de ville légendaire qu'on puisse comparer. C'est celui qui va faire le bonus en 5% damage, c'est le même que le mien. Il est très bien. 20 passeports avec crédit et il en a besoin de 5 de plus pour migrer. Ouais, ça va être un peu court. Et le prix est de 450 dollars plus les fees, plus les frais de l'intermédiaire. En général, l'intermédiaire, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo la semaine dernière, va prendre de l'ordre de 15%. 450 balles pour ce compte-là, franchement, c'est un bon investissement si vous commencez Rock et que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Ça va aller très vite. On peut avoir 15 équipements légendaires, 15 commandants expertisés et pour 350 dollars aussi avec 28 passeports et là on pourra migrer. On a Liu Che, c'est déjà un peu mieux. On a Jeanne d'Arc expertisé, Nevsky, HQ, franchement Zuglian. Ouais, ce compte là par exemple je le trouve mieux pour moins cher. Comment sont fixés les prix? C'est une bonne question que je me pose hein. Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas il n'y a rien en dessous de 300 balles. Il faut commencer à mettre 300 balles. Bon, c'est des petits comptes qui sont quand même sympas et ils valent largement l'investissement. Quand on sait que par exemple qu'un Minamoto full stuff, hein, c'est enfin full stuff non, un Minamoto expertisé, si vous achetez tous les packs du store VIP, c'est déjà 200 balles. Là pour à peine le double, hein, 200 euros, à peine le double, vous allez, enfin faut rajouter les frais évidemment, vous allez pouvoir avoir des très bons comptes de départ. On va passer à, allez, 1000, 1500 dollars. Qu'est-ce qu'on a pour 1000, 1500 dollars sur Rock, sur la vente de comptes? Ce serait intéressant de comparer avec le store officiel. On va prendre le dernier de ces comptes. Hein. Déjà, pour 1000 à 1500, on a un compte à 100 millions de puissance, hein, 2 milliards de kill points. Et ça pourrait presque être mon compte, celui-là. Regardons en termes de troupes. Hein, il en a évidemment un bon stock. On n'a pas beaucoup d'archers. Énormément de cavalerie. Hein, étonnant. Hein, très peu de T4. Mais enfin, très peu. Non, quand même un petit stock. Ouais, surtout en infanterie. Bref, un petit compte sympa. En VIP, il est VIP combien? On va le savoir après. Non, c'est écrit ici. Il est VIP
17, donc et un tout petit peu même, non, un tout petit peu moins que moi, j'ai un tout petit peu plus évidemment. VIP 17, en termes de nombre de morts, il a combien de morts? 17 millions de morts, franchement, un bon compte. En termes de skin légendaire, il en a 1, 2, 3, franchement, le compte, il est propre là, hein. Il est très très propre, on n'a pas de vision du nombre de ressources. Si on a les nombres de ressources ici, 1,7 million, 1,3 milliard de cristaux, 1,3 milliard de ressources en nourriture, bon, presque plus d'un milliard partout sauf en bois, en revanche les gemmes, c'est très très court. Est-ce qu'il y a un stock de gemmes quelque part? Est-ce qu'il y a un stock de gemmes? Il n'y a pas l'air d'avoir de stock de gemmes quelque part. Les commandants légendaires, donc 100 millions de puissance, 1,9 milliard de kill points, 18 millions de morts, VIP 17, 3 skins légendaires, le plus 5 skill damage, le meilleur, le plus 10 cave défense, c'est pas ouf, et le plus 15 cave attaque, vaut mieux le plus 10 défense. 31 équipements légendaires et 11 qui sont raffinés, plus 20 iconiques, 2 anneaux, une corne, une dague, hein, les tambours de la guerre, 7 passeports et assez de crédit pour acheter ce qu'il faut pour migrer. Encore faut-il qu'on vous les donne, c'est pour ça qu'avant le deal, demandez toujours à avoir tous les passeports sur le compte, hein, suffisamment de RSS, de ressources. Ouais, mais si tu migres en tes ressources, tu vas les jeter à la poubelle parce que ça, c'est pas les ressources qui sont en stock, c'est les sources qui sont dans le sac. Hein. Descent amount of speed up, hein, une quantité suffisante de speed up. Regardons ce qu'il y a en accélérateur. Est-ce que c'est ouf? Ouais, c'est pas mal. C'est pas une dinguerie, mais c'est pas mal du tout. Hein. C'est très propre par rapport à l'autre. Hein. On continue. 1,2 million d'AP. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien avoir un KVK. C'est énorme, même. Ça fait longtemps que le mec doit plus jouer. Commandeur, 21 commandants expertisés. 702 sculptures en or. 270 000 coins de saison. Ouais, tu vas pas faire grand-chose à part acheter un plan, peut-être. De l'armement décent, ok, et une pierre de transmutation, 1100$ plus les frais, donc autant dire 1300$, je dirais, et là, c'est Omar Rock. Franchement, ce compte-là, il est pas mal, mais je le trouve tout de même un petit peu cher. On va monter en gamme et on va aller sur un compte à 10 000, 15 000$, voir ce qu'on a pour ce prix-là. Franchement, à mon avis, là, pour ce prix-là, on doit commencer à avoir des trucs qui brûlent. Hein. Le compte mis en vente depuis hier. Déjà, quand on voit le nombre de skins, de screens, on se... Oh là 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 là, je défile, j'ai mal aux yeux. Le compte, 130 millions. Kill point, oh là là là, ça commence vraiment à taper très lourd. 34 milliards de kill points, 90 millions de morts. Là, ok, je rentre clairement chez ma mère en termes de puissance. Donc, 130 millions. On l'a vu, ça fait vraiment du très très... Oh, franchement, c'est très lourd là, ce que le mec a en stock. Qu'est-ce qu'il a en stock? En termes de sculptures en or, 1200 sculptures en or. Il est propre, hein. On a le nombre de ressources, 10 milliards de nourriture, 9 milliards de bois, 13 milliards de pierres, 8,7 milliards. Oh là, le compte, il brûle, hein. D'or et 4 332 000 gemmes. VIP 18 évidemment, franchement il est extrêmement lourd ce compte. Allons voir tout de suite les speed up, parce que je disais oui, les speed up, ils disent un amount descent, il n'y en a pas beaucoup. Là, à mon avis ça va calmer, on a 69 de 24, 100 de 15 heures, 632 de 8 heures. Ouais, là on commence à être un peu plus solide en termes de speed up. C'est pas une dinguerie, hein, non plus, hein, mais c'est pas mal du tout. Vous allez dire je suis un ouf, mais non, c'est pas une dinguerie de malade le nombre de speed up et ce qu'il a en stock. Ouais, en stock du VIP, il en a pas mal. Il a encore 282 000. Ouais, c'est pas 282 000. Là, il a 10 millions d'actes de VIP. Il a de quoi assurer un VIP 19 et un VIP 20. Pas de stock de gemmes, heureusement, mais il en a 4 millions. Il est déjà très très détente. Continuons sur les skins légendaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, c'est du très très lourd au niveau des commandants. Regardons ce stuff. C'est tout bonnement une dinguerie. Le mec doit avoir des légendaires dans tous les sens. Combien a-t-il de commandants légendaires? Déjà, VIP 18, on l'a vu. Équipement légendaire, 61, 33 avec le talent. Il a, oh là, franchement, il a presque tout le V-Spec tier Archer 7.
énorme. Commandant expertisé 53. Et il a tous les commandants. Liu Che, Ashurbanipal, Guan, les derniers, il les a déjà. Nevsky, Boudica, HQ, Trajan, Xi. Franchement, du très très lourd, puissance. 130 millions, 34,4 millions de kill points, on a vu 4,3 millions de gemmes. Des speed up plus de 1000 jours. Vous voyez, c'est pas une dinguerie, hein, 1000 jours. En termes de RSS, pareil, hein, il a du stock de ouf. Un stock de tête en or, le nombre de passeports, pas suffisant pour migrer. Il lui en faut 75 et il dit qu'il a 20 millions de crédits. Encore faut-il qu'on lui vende. Skin légendaire 6. Franchement, du très très lourd, mais le prix aussi est extrêmement lourd. 14 000 dollars, hein, c'est très lourd, plus les frais. Voilà, vous avez de quoi comparer votre compte à présent. Où se situe-t-il? Je peux vous montrer le dernier compte. Alors, il n'y a pas de compte actuellement en vente entre 15 000 et 30 000 et plus de compte à plus de 30 000. Je vous ai montré le dernier compte rentré. Franchement, celui-là à 14 000. Avec les frais, vous allez vous en tirer pour aller 16 000, 17 000 dollars. C'est très, très élevé. Et si je voulais comparer, dites-moi à votre avis combien coûterait mon compte. Alors non, je n'ai pas l'intention de vendre mon compte, hein, mais combien coûterait mon compte en termes de légendaire expertise. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ah, j'en ai pas tant que ça, 20, 21, je crois que c'est tout, 22, non j'en ai encore, 22, 23, 24, 25, 26, il y en a qui servent à rien, 27, 28, 29, 29 légendaires expertisés, ouais, 29 légendaires expertisés, presque 30, hein. Je pense que je pourrais en finir certains, puisque en termes de stock, je suis pas mal non plus, si on regarde mes équipements, les stocks de sculpture en or plutôt qui doivent être dans haut. Vous voyez, j'ai des stocks, moi. En veux-tu, en voilà. J'en ai des stocks de ouf, hein. Laissez tomber. J'ai 1600 sculptures en or en plus. En skin légendaire, j'en ai qu'un. En équipement légendaire. Alors, en équipement légendaire, j'ai du stock de ouf. Comme vous le voyez, je dois pouvoir crafter la moitié de la terre. Mais en stuff légendaire, j'en ai pas tant que ça. 2, 4, 6... 12, 18, ouais j'en ai que 18 hein, en termes de bijoux, j'en ai que 6. Ouais, crafter un petit peu, me forcer hein, pour monter, je dois pouvoir crafter pas mal de trucs. Hein. Regardons, qu'est-ce que je peux crafter? Là, normalement, je peux quasiment tout crafter. Hein. Enfin, quasiment tout ce que j'ai les plans. Regardez, ouais, peut être forgé, il y a pas mal de trucs que je peux forger en légendaire, iconique. J'ai un peu de stock en termes de, alors de ressources, hein, vous voyez, j'ai un peu de quoi. Alors, j'ai pas 4 millions de gemmes, j'en ai que 549 000, mais j'ai pas mal de stock et pas mal de stock de ressources également. Et en termes d'accélérateur, qu'est-ce que j'ai en accélérateur? Je vous disais, les autres, c'était pas des ouf, mais ça se trouve, j'ai pas grand-chose. Ah si, j'ai quand même mieux, j'ai 12, presque 13 000 d'une heure, j'ai bien chuté, hein. J'avais dépassé les 20 000, 162 de 3 heures, 15 de 8 heures, 8 de 15 heures. Ouais, j'ai un petit stock 18 000 de 15 minutes. Ah, j'ai un petit stock, je vais remonter, hein, très probable, 150 000 d'une minute. Je vais remonter au-dessus des 20 000 ici, faut que j'arrive à me forcer un petit peu. Bref, un bon petit compte, mais non, il n'est pas à vendre, hein, et clairement, il ne vaut pas 14 000 dollars. Hein. Moi, en tout cas, jamais de la vie, j'achèterai ou je vendrai un compte. Le risque est grand, et puis quand vous vendez, vous êtes obligé d'arrêter pour le coup. Sauf si votre taf, c'est de monter des comptes pour les revendre. Voilà, n'hésitez pas vous-même à évaluer votre propre compte et à mettre selon vous où se situe votre compte. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.